il s'en veut aussi. Dis donc, on a du mal à se lever. Ah, ils ont réveillé. Tac, 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 qui est là? C'est pourquoi? C'est pour le petit déjeuner. Il est l'heure de se lever, hein. Oh, il y a une belle table de petit déjeuner. Alors, si je comprends bien, c'est petit déjeuner cabine sur le paquebot Cailleux Pays Merveilleux. La belle table mise, la voici. Assiette et couvert d'époque, chouquette et croissant du jour. Chemises de nuit, bonnets et chandeliers, ils ont prêté attention aux moindres détails pour nous renvoyer en fantaisie au siècle dernier. Celui-ci, il date des années 30, 40. Ah oui. Ah oui, il a du vécu, hein. Moi, je vais prendre un part. Hein. Le menu est copieux. Ce qui devait cuire l'a été au préalable. Il n'est pas permis de cuisiner dans les cabines, par sécurité. Il y avait même un délicieux gâteau battu maison. Une mise en scène pour le plaisir du jeu, pour célébrer les cabines et le chemin de planche, en septembre, juste avant le démontage de fin de saison. Les premières années où nous on a eu la cabine, donc il y a déjà 8 ou 10 ans, on en profitait essentiellement juillet-août, et aujourd'hui on en profite, alors pas quotidiennement, mais quasiment d'avril à fin septembre. Et puis là, bah, on est presque mi-septembre, donc on sent la fin de la saison qui approche. Donc on l'appréhende un petit peu quelque part, mais du coup, on la célèbre aussi cette fin de saison et on en profite pour passer un moment agréable. Au départ, l'idée vient de Martine. Elle aime les mises en scène et les costumes. Elle a du plaisir à chiner, à partager ses trouvailles, et elle est fort bien entourée de convives tout aussi enthousiastes. Si ça pouvait amener les gens à faire toutes les gens de la cabine... Les cabines à faire un petit déjeuner comme ça, ce serait super. Mais je crois que ça commence à venir parce que là-bas, il y a une table. Et il n'y avait pas de table. Donc je suis contente quand même. Des émules peut-être, des spectateurs assurément. En quelques heures, le petit déjeuner à la cabine avait fait le tour des réseaux sociaux. Et pendant que les grands terminaient doucement le café, Paul et Léa sont allés au bain. Parce que c'est ça le délice de la cabine. C'est qu'elle nous offre la mer dans ses meilleures humeurs.